Ces deux vaches, déjà à mon niveau, au niveau de la ferme, les efforts que je fournis, que j'ai toujours fournis pour les premières vaches, qu'ils ne me donnent pas un bon résultat. Les mêmes efforts ou alors un peu plus vont faire en sorte que j'ai davantage du lait avec ces vaches. J'ai commencé l'élevage, ça fait 12 ans. Les deux premières années, c'était avec vraiment purement local, les vaches purement locales. Ces vaches purement locales, avec tous les efforts qu'on faisait, on n'a pas plus de 3 litres par vache. Donc quand on a acquis des vaches hybrides de Bagnon, issues des croisements villageoises, là, on les a là. Aujourd'hui, deux vaches nous donnent 30 litres par jour. Donc 20 litres le matin et 10 litres le soir. Donc, je suppose que avec les monts Béliard, si comme elles sont de fortes potentialités, je crois au moins se doubler la quantité du lait. J'ai cet espoir-là. Ce lait, on va le transformer. On va le vendre même, le lait cru. On va mettre un congélateur ici pour pouvoir le conserver. On va mettre la plaque là-dehors, le lait cru en vente ici. La population viendra acheter ce lait. Parce que je vous assure, ici le lait manque. Parce que moi-même, puisque je produis, à certains moments, je suis obligée de voir avec les autres éleveurs qui me collectent de lait dans les villages environnants pour pouvoir compléter ma production. Maintenant, avec ce lait-ci, je crois que moi-même, je peux vendre aussi aux consommateurs. Parce que le lait cru manque. On transforme le lait en yaourt, en fromage, on extrait aussi le beurre du lait. Nous avons choisi la Mont-Béliard parce que justement, quand on est arrivé au Sénégal, la mission c'était d'aller voir, comme nous avons le même microclimat avec le Sénégal, il était question donc avec la délégation du ministère qu'on aille voir quelle est la race qui s'adapte le mieux. Justement, il y en a qui ont les Holstein, les Mont-Béliard, donc il y a plusieurs races. Mais quand on est resté discuter avec eux, avec les éleveurs au Sénégal, ils nous ont rassuré que celle qui cause moins de problèmes, qui s'adapte le plus facilement, c'est les Mont-Béliard. Je leur ai dit, c'est bien d'avoir ces animaux, mais il faut que chacun de nous se prépare pour les entretenir. Parce que les entretenir, c'est tout un autre problème. Les avoir, c'est vrai, c'est difficile, mais aujourd'hui, on est arrivé à les avoir. Maintenant, ce qui reste, c'est de les entretenir, leur alimentation, leur santé. Parce qu'elles sont... Elles vont produire en fonction de leur santé et de leur donnant comme alimentation. On a agrandi les champs fourragers à Macabaï avec en saison de pluie là. On a augmenté les espaces. Donc chaque année, on est en train d'augmenter, augmenter. Puisqu'on se préparait à l'arrivée de ces Mont-Béliard, on ne pouvait pas rester avec la même superficie. Nous avons un forage de 45 mètres de profondeur qui ne tarit pas. Il y a un suivi d'un docteur vétérinaire de la place. Il vient en cas de besoin, on fait appel à lui et de temps en temps, il programme aussi de venir voir les animaux. En fait, donc, je me suis déjà formée. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais ce qui m'attend avec ces vaches. Elles sont très exigeantes. Et puis, avec le passage que j'ai eu en France, dans les élevages, au Sénégal, chez les autres éleveurs qui avaient la même race, je sais un peu ce que c'est. Vraiment, je me pose la question sur ceux qui prennent, par exemple, le vin. Comment est-ce qu'ils feront pour s'en sortir? Mais moi, avec deux, je me battrai et je réussirai. Parce qu'il est hors de question de décevoir
le gouvernement camerounais, encore moins le ministre de l'élevage. Parce que ça, c'est un acte très fort qu'il a posé pour le monde de l'élevage, la production laitière. Parce qu'on souffrait déjà trop avec les importations de lait en poudre. Je mettrai tout en œuvre de toutes les façons pour réussir. Nous le souhaitons très bien parce qu'eux-mêmes, ces vaches leur ont coûté trop cher. Donc, s'ils veulent bien que cela réussisse, que cela ait un impact, il faut qu'ils nous suivent. D'ailleurs, dans les doléances, nous leur avons déjà demandé le suivi technique sur tous les plans, tous les suivis qu'il faut pour que cette activité prenne définitivement l'envol et que cela est. Que cela se pérennise. Autrement dit, si on n'a pas de suivi, j'ai peur. Moi je, de toutes les façons, je ne vais pas contribuer à cela. J'ai reçu 3 vaches en Béliard. Quand j'ai bénéficié de ces 3 vaches, je vais les mettre à Maroua et je vais produire du lait d'abord pour sotraler et créer aussi des emplois par rapport à des femmes des privés. C'était ça mon objectif, et faire épanouir ma famille, parce que c'est un projet que j'ai étudié pour que ça lutte contre la pauvreté. J'ai un programme qui emploie 4 personnes, un gardien, un vétérinaire qui suit les animaux, et puis un trayeur, comme on dit. Et puis, bon, c'est lui qui va s'occuper de la commercialisation. Le Prodel nous a donné une treilleuse, donc on bénéficie aussi d'une treilleuse et d'un équipement que, bon, je ne peux pas citer, qui sont vraiment inestimables. C'est vraiment un projet qui va vraiment booster la production laitière à l'extrême nord, surtout à Maroua. Et qui va aussi lutter contre la pauvreté. Et c'était l'objectif du gouvernement. Nous le remercions beaucoup, 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 parce que si depuis on faisait ça, on allait être loin. Merci au ministre Taïga et au Prodel. Je fais dans la production laitière depuis 2005 et jusqu'à maintenant je fais dans la production laitière. J'ai reçu un financement par l'appui du Prodel, de la Banque mondiale, un plan d'affaires de 20 millions, MBE bénéfice de bombilière, de 3 vaches laitières de bombilière avec une treilleuse. Et avec les constructions des hangars, les étables pour les vaches laitières, avec une cuve de château, avec système de solaire déjà fonctionnel. Et mon premier fournisseur, c'est Société Sotralé de Maroua. Il y a Hôtel Porte Maillot. Il y a la boulangerie du centre à Maroua qui prend du lait chez moi toujours. Il y a l'école de Kaïsiri. C'est une coopération de Turki qui est basée à Maroua, qui prend de lait chaque régulièrement pour le lait. J'ai reçu des financements de l'appui du Prodel pour améliorer mon production de terre, puisque pour montrer aussi les jeunes éleveurs comme moi aussi, ça attire aussi les autres éleveurs, les jeunes éleveurs, pour travailler dans les activités du lait toujours comme moi. Le tractoriste,
Ce qui a changé, avant mes vases qui produisent en moyenne sont dans les 2 litres. En moyenne, il y a des vases que j'ai fait une insémination qui produisent à 10 litres. Avec les bombillards qui produisent maximum en moyenne par jour, c'est dans les 40 à 30 litres par jour, chaque vache. Je reçois 3 vaches, je ne manque pas 100 litres de lait par jour. Donc il y a des changements déjà. Je remercie de l'appui du Prodel et je remercie au ministre d'Excellence de Taïga qui a fait tout effort pour aider nous les jeunes de l'extrême nord dans l'appui de Prodel et à avoir des financements. Et des autres aussi doivent, Inch'Allah, avoir des financements. J'avais monté un projet au niveau du Prodel. J'ai reçu 2 vaches laitières comme dans mon plan d'affaires. Les vaches que j'avais, mon début de projet, parce que moi, avant que je vienne ici, j'avais un projet qui est en cours. J'avais eu le projet de l'ICN qui m'a donné des animaux, l'ICN, Union Internationale pour la Protection de la Nature. Après avoir ça, j'ai eu quand même assez vraiment financé des matériels, les congélateurs, les frigos, tout ça, tout ça. Là. Bon, il me manquait du lait. Donc, Dieu merci que le Prodel a été installé dans l'extrême nord, l'arrondissement de PTR concerné. En ce temps, j'ai monté mon plan d'action pour avoir l'augmentation du lait ou quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai fait monter le projet. Beaucoup de choses vont changer. Avant, je n'ai pas beaucoup de lait, mais maintenant, je vais faire des dépôts de lait à Bobo, à Pété, à Marwa aussi. Bon, avec cet argent, je vais évoluer dans l'élevage encore, pour augmenter l'élevage du lait. Je vais faire la transformation du lait, du fromage aussi. J'ai des clients à Marwa, à Bobo. À Bobo, j'ai la dame qui s'appelle Ducho, Madame Ducho. Et à Bobo, j'ai aussi Mustafa, à Marwa Biyaya, et Umaru Amadou. Bakari Aladji Amadou aussi, les gens que je travaille avec lui. Je vais mettre un site de dépôt. Et je travaille aussi avec Gîte Avenir des Femmes de Pété, à Pété même.